Bonjour. Bonjour Heather, comment vas-tu? Ça va, et toi? Je vais bien, je te remercie. Je t'appelle car je viens de recevoir un message au sujet de ton permis de travail. J'espère que c'est positif. C'est même très positif. Ton permis de travail a été officiellement approuvé par la Commission des soins de Californie. C'est vrai, c'est sûr? À 100%. J'ai la confirmation sous les yeux. Enfin, une bonne nouvelle. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Tu m'envoies ravi. À bientôt. À bientôt et merci. Au revoir. Oh. Je peux les donner? C'est toi qui vois. Ok. Avec un tout petit peu de légumes. Monsieur Wrangell, comment allez-vous? Je m'appelle Chris. Je suis infirmier, je vais m'occuper de vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Je me suis coupé. Faites voir. Vous avez pas peur? Non, vous plaisantez. Ah oui, avec quoi vous avez fait ça? Une scie sauteuse. Ce brave monsieur était en train de découper des lames de parquet avec une scie sauteuse. Et comme un idiot, il n'a pas respecté les consignes de sécurité. Sa main a glissé, son doigt est passé sous la lame, et le résultat est franchement écœurant. Vous vous êtes pas raté. On peut le dire. Non, mais ça devrait aller. On va bien désinfecter la plaie. Ça risque de piquer légèrement. On va laisser tremper comme ça pendant un moment. Celui-là aussi, il est blessé. Il vous manque un bout d'ongle. Vous êtes littéralement passé à deux doigts du massacre. Le médecin va vous prescrire un antidouleur. Parfait. Ça vous plaît? On dirait de l'art contemporain. Et voilà, ça va, pas trop mal? Ça va. Ça va aller? Bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Allô? Salut. Tu fais quoi? Je suis dans mon lit. Je t'ai réveillé? Non. Devine qui est à l'appareil? Devine qui est à l'appareil. Ouais. Je sais pas. Une infirmière californienne. Ton permis a été approuvé? Ouais, je viens d'avoir la confirmation. C'est super. Cache ta joie. Il était temps. À qui le dis-tu? Comment tu me casses mon groove? Moi qui étais toute contente. Désolé. Je suis crevé. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Je pensais que Dalton serait content d'apprendre la nouvelle. Il m'a plombé le moral. Coucou. Ça va? Tu fais quoi? Tu médites au clair de lune? Ouais, non, je viens de manger et je prenais un peu l'air avant d'aller me coucher. J'ai mon permis. Sérieux? C'est vrai? Ouais. Approche, bravo. Merci. Je suis trop contente. Il va falloir fêter ça. Grave, c'est dommage que tout le monde bosse demain. T'inquiète, on trouvera bien un soir dans la semaine. Ok, cool. Bon ben voilà, je voulais juste t'annoncer la nouvelle. C'est cool. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Désolée d'avoir interrompu ta lecture. Pas de soucis. Bye. À demain. Allô? Bonsoir Amber, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, mais ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème? Tout est un peu compliqué depuis mon arrivée. Tu veux dire que c'est compliqué avec les autres vacataires ou à l'hôpital? Avec tout le monde. Les autres filles se connaissaient déjà toutes avant de venir. Du coup, je me retrouve un peu toute seule dans mon coin. J'ai donc réfléchi et j'ai décidé de donner ma démission. Tu es sûre? Tu veux vraiment démissionner? Ça m'étonne de toi. Il n'y a personne ici avec qui j'ai envie de nouer des relations plus approfondies et
J'ai envie de rentrer chez moi. D'accord. De toute façon, c'est une décision qui t'appartient. Comme tu le sais, tu as 2 semaines de préavis. Je me charge de prévenir l'hôpital. J'appellerai demain. Merci, Amber.